Alors ici, il y a une obélisque, Straße nach Mainau, une Straße à Strasbourg, route de la Mainau, ici. Donc là, il y a l'aristocratie, les lions, ça signifie Horus, le descendant. Par le phallus, ça veut dire leur ancêtre par la procréation, il est ascendu là, c'est le serpent, les reptiliens, ça veut dire par la bite, hein, ils sont venus là. Donc ça veut dire l'aristocratie, froid, ils ont toujours eu tout le pouvoir, mais ce sont des reptiliens. Là, il y a Isis elle-même, avec la pyramide. Eye en anglais, ça veut dire l'œil. C'est Isis avec le fouet pharaonique. Et là, ce truc-là, on voit partout. Et là, il y a Seth, le dieu des ténèbres, avec une flèche pour te tuer. C'est comme le petit chaperon rouge. Donc ils viennent de serpents. Et cette route va mener de l'autre côté vers là, vers une île avec de l'eau. Hein, parce que l'obélisque, ça représente Osiris. Et toute la famille est là, donc Isis, Seth, Horus et Osiris. Et ça doit toujours être à côté de l'eau. Alors la route de l'obélisque, il est là jusqu'au bout. Parce qu'il faut se souvenir, s'il y a une obélisque, il y a toujours cette indication, il y a toujours quelque chose à côté. Et c'était ça, c'est le lac de, ou l'étang Schulmeister, un espion pour Napoléon, franc-maçon bien sûr. Il avait un château ici. Et de l'eau, c'est pour Isis. Et l'obélisque, c'est donc Osiris. Et parce qu'ils ont jeté Seth, ou Seth-on, Satan, le dieu de ténèbres. Il a jeté toutes ses parties corporelles dans l'eau, dans la Nil. Marqué là, le château de Schulmeister, le château de Mainau. Si vous pouvez lire. Un espion de Napoléon. Il y a seulement ça qui reste. Le château, il était là. Et ça.